les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On va découvrir un nouveau jeu ensemble qui s'appelle Circus of Team Team. Donc c'est un jeu cartoon horreur qui va se passer dans une ambiance de cirque. Voilà, hein, je pense qu'avec le nom vous avez capté. Et ça a l'air plutôt cool. En fait, les développeurs ont bien voulu me donner une clé un petit peu en avance, histoire que je puisse préparer la vidéo à l'avance. Donc c'est vraiment super sympa à eux. On va aller tester ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il vaut? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Let's go faire Circus of Team Team. On y va. Par contre, j'ai tellement le seum, regardez ça. Je voulais voir dans le truc des langues. Il y a toutes les langues du monde, frérot. Mais il y a pas, encore une fois, le français. On est tout le temps oublié. Vraiment, arrêtez les développeurs, s'il vous plaît là. Mettez du français dans vos jeux. Ah, je suis vraiment déçu, c'est dommage. Pourquoi il n'y a jamais le français? Bon, du coup, on va devoir encore s'embêter à traduire et encore, ce sera pas parfait non plus. Bon, allez, j'espère qu'il n'y a pas trop de dialogue alors. On va voir, on va voir. Le principal, quand même, c'est de jouer au jeu et de voir si le gameplay est cool. On a un code téléphone? J'ai pensé à Jerry, en plus ça m'a fait penser à Totally Spies, je sais pas pourquoi. Team Team Circus 2008. Ok, bon, bah écoutez, on arrive du coup ici, dans cet endroit-là. On est là, on est vraiment au milieu de nulle part. On a eu une discussion mais j'ai rien compris. Bref, je pense qu'on va devoir régler un truc au niveau du cirque. On a une barre de vie également en bas à gauche. On a 100 PV, trouve le Metal Ticket Detector Device. Ok, donc je dois trouver un ticket. On a ici un inventaire, ok, avec les objectifs. On a un train aussi. Et on a surtout ici, regardez ça, une tête de clown géante qu'on avait vu d'ailleurs à l'écran d'accueil. Par contre, je dois récupérer un truc en métal, mais sauf que bah il y a rien du tout en fait. J'ai l'impression d'être au milieu d'un désert ici. Ah regardez, je peux passer au-dessus des barrières. Ok, donc on est là, on est là, on est là. On a un truc de ticket, c'est 5 centimes. Bah il y a personne, donc ce sera gratuit pour nous. On va clairement pas se plaindre. Par contre, j'entends des bruits là. T'es qui? C'est toi là? C'est toi qui me parle, frérot? Attends, c'est moi, on dirait genre un dieu de la mythologie grecque, frérot là. J'ai l'impression que c'est le poteau de Zeus là. Bon, ok, je fouille un petit peu ici pour voir si je coupe rien. Bon bah on va rentrer dans le carnival. Bonsoir. Oh oh oh, follow the circus music. Oh, ça m'a fait trop peur. Yous, je suis bloqué. Je peux pas du tout passer ici. Je peux pas revenir en arrière. Ça va, mon ref? Ok, bon, je sais pas ce qu'il veut. Il veut des golden tickets, je crois. Bon, bah, on va revenir ici plus tard, hein. Ok, on va revenir plus tard. On va fouiller alors. Il m'en faut 12. Il me faut 12 golden tickets. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les trucs qui font quick là. Là, ça me rappelle des mauvais souvenirs avec Poly Time Forever là. Bah, j'imagine que ici, c'est peut-être la même mécanique. Y'a quelqu'un dans ce cirque abandonné ou pas? Ah, et ben, on a un pantin ici. Oh, Pinocchio. T'as changé, Pinocchio? Tu me donnes rien, toi? Pas peut-être qu'à me donner, toi? Non, ils me donnent absolument rien ici. Ils sont pas très généreux, hein. Moi j'arrive comme ça, je suis super sympa et même pas ils sont sympas avec moi. Oh ce goose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh ouais, on dirait un goron dans Zelda là. Je sais pas si vous avez la ref ou pas là. C'est un gros bébé celui-là, il a bien mangé la. Oh, une balle. Attends, je peux la prendre? Tiens frérot, ton ballon, tu le veux? Eh, je suis censé faire quoi avec un ballon? C'est pas censé amuser le bébé normalement? Faut qu'il arrête de pleurer parce que peut-être que justement c'est tout des trucs comme ça en mode je lui donne le ballon et du coup après ça, il peut me donner un ticket. Mais ça ne fait rien. Bon, on verra bien, peut-être que c'est un code couleur qui nous aidera. Il y a des petits canards en plastique. Allez, on avance, on avance, on avance. En tout cas, ça a l'air assez assez particulier mais assez sympa. Oh, 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 il a dit avoir un vrai univers dans ce jeu-là. C'est assez spécial, mais j'aime bien. Salut. Ah, de nouveau le poteau de Zeus. Ouais, je sais, ici, je dois avoir 5 golden tickets pour ouvrir la porte. Ah, ouais, 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 on va avoir un jeu. Oh, c'est ça, c'est trop bien. Oh, regarde, regarde. Ok, objectif update. Je dois trouver du coup 5 golden tickets pour ouvrir la porte. Bah c'est ce que clairement le pote de Zeus m'a dit là, juste avant. Et là, on va avoir un premier cassette ou un premier jeu à faire, non? Si je vais là... Ouais, on peut se cacher. Ça se transforme en d'ors. Tu vois, il y a une cible là. Est-ce que c'était pas avec la balle de tout à l'heure, en mode je balance sur la cible et ça fait un truc? Quoique, dès que je rentre, ça ferme derrière moi. Donc non, 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 il doit y avoir forcément un autre truc à faire par ici. Alors voyons voir, voyons voir. On a des petits ballons ici. Ah, mais en fait, je suis vraiment bloqué et l'espace est tout petit. D'ailleurs, on a toujours le téléphone ici, hein. C'est un truc qui permet de trouver des objets métalliques. Bah c'est parfait parce que c'est exact. Ah là, il y a un ticket. Le ticket d'or. C'est celui de Charlie à chocolaterie. Let's go. Merci Willy Wonka. T'es vraiment en refrais. Voilà, le deuxième ticket. C'est bon. J'ai mis 203. Attention, vous connaissez le dicton. Vas-y, fais un tic ding ding, on dirait le cherche objet un peu dans Pokémon. En fait, c'est un jeu rempli de références. Ah, ah, là, 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 là. Ok, ça fait 3. Encore, vas-y, vas-y, fais ce petit bruit là. Tiling, tiling un peu là. Tiling, tiling par ici. Ah, ah, ça tiling par là. Ça tiling. Même ça fait du ting ting, mais je trouve pas. Là, là, là. Quatrième ticket. Ok, c'est lui qui faisait du bruit. Et il en reste plus qu'un, mesdames, messieurs, qui est juste derrière ici. C'est bon. On a les 5 tickets. On va pouvoir le donner. Donc, objectif, mise à jour. Tiens, monsieur Zoz. On va t'appeler Zoz. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon. Let's go. Donc, j'ai récupéré 5 tickets d'or. Il m'a enfermé ici. Et il en faut en tout 15 ou 20. Je me rappelle plus. Donc, on en a pris une bonne partie. Et ça, ça fait plaisir, en vrai, ouais. Ça, je suis content. Bon. Il veut quoi le bébé là? Ouais, 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 ouais. Je suis censé aller où? Là, je dois me cacher, je dois me cacher. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. Je vais te donner un biberon. Ah, du Nesquik. C'est bon, je suis caché. On fait moi le malin maintenant, mon frérot, hein? On fait moi le malin. Allez, dégage avec ta vieille couche dégueulasse. Là. Moi, je reste ici. Attends, je crois qu'il m'attend en fait. C'est un campeur. Il est comme dans Call of Duty. Il attend et il campe devant pour pouvoir me foudroyer. Je suis censé faire quoi, sérieux? Baby! Baby, baby! Ah! Ok, le bébé est là, le bébé est là. Vite, vite, vite. Aïe, aïe, aïe! Aïe! Ok, ok, ok. Il m'a fait trop mal. C'est pas un bébé, ça. Non, me dis pas, je dois recommencer tout depuis le début. Pas possible, j'étais bien parti, là. Je dois faire quoi avec ce bébé? Ils m'ont fait revenir automatiquement ici. Et donc, le bébé va revenir. Hein, mais je suis comment? Bébé?
Bébé, au secours, je sais pas où aller. Le bébé, il va encore me tuer. Arrête, il rigole, en fait, j'ai l'impression qu'il se paye ma tête. En fait, c'est le bébé de Baby Niello. Ah, regardez-le, il est bloqué. On peut bien le voir, là. Je suis mort. Enfin, il est affreux. Bon, attends, je vais contourner un peu. Parce que je sais pas trop quoi faire avec lui. Mais il est vraiment bloqué, en fait. J'ai littéralement bugué le bébé. Aïe. Attends, je vais essayer de revenir au début. Sauf que là, il peut se débugger, je pense, à un moment donné. Oh, il a disparu. Le bébé a disparu. What? Oh, non, il est là-bas. Ok, je dois faire quoi? Oh non, il est bloqué dans les trucs. Vas-y, il y a des tickets à récupérer. Oh non, il revient. Oh non, j'ai trop joué avec lui. Oh là. Très mauvaise idée de ma part. Mais attends, je dois vraiment récupérer des tickets avec un gros bébé enragé là derrière. Mais non, c'est pas possible. Moi, tu veux que je fasse ça, moi? Oh, c'est quoi ça? C'est un truc de soin, je crois. Ouais, là, j'ai 100 PV, donc ça va, mais... Ok. Il y a un truc pour se cacher là. À partir de ce moment-là, ça va devenir vraiment chaud. Là, on est arrivé à une autre partie du jeu où, en gros, on va devoir fouiller tout en faisant attention au bébé. C'est pour ça qu'il y a des casiers pour se cacher un petit peu partout. Enfin, il y en a pas un peu partout, justement, c'est bien ça le problème. Bon. Tu clignotes ou pas un jour, tu fais du bruit? Il y a des toilettes là à gauche. En fait, je pense que c'est vraiment un grand cirque et tu dois vraiment te balader partout. Oh, là, pour trouver les tickets. Donc jusque-là, c'est simple, mais peut-être que c'est plusieurs étapes. Tu vois, peut-être que ça, c'est la première étape du jeu, de récupérer les tickets. Oh non! Je l'ai oublié lui! Ah! Mais je cours plus! J'arrive pas à courir mon personnage, je sais pas ce qu'il fait, il court plus! Oh non, le bébé, s'il te plaît! Non, j'étais bien, pourquoi j'ai marché sur le jouet? J'aurais jamais dû faire ça. Après, je peux aller me planquer aussi. Hein. En vrai, de vrai, je peux aller me planquer dans une toilette si j'en vois une. C'est bon, je les mets. C'est sympa par contre, regardez ça. Les petits singes, est-ce qu'ils sont pas te mignons? Non, pas du tout, en vrai, ils sont vraiment immondes. Tu donnes ça à un gosse, frérot, je suis pas sûr qu'il va apprécier. Je vais regarder vite fait combien de tickets j'ai. Ah, tu vois, il en faut 12. Et moi, j'ai que 2 golden tickets. Attends, mais tous les tickets que j'ai récupérés avant, alors c'est mort, je les ai plus? Non, c'est pas possible, frérot. Non, c'est par zone. Je pense que c'est vraiment par zone. Oh là là, si c'est ça, c'est vraiment une galère. Hein. Ouais, c'est qui lui? Salut, ça va? Ah, je sais pas trop qui t'es, mais t'as pas l'air d'être très rassurant comme mec. Je crois que je vais plutôt m'éloigner, hein. Bon, au moins, écoutez, on se balade, on découvre un petit peu la zone, on découvre les gens aussi bizarres qui s'y trouvent. Ah, un ticket d'or. Ça en fait 3. C'est super, il en reste encore 9. Oh non, pas le bébé, mais j'en peux plus de lui. Ah, c'est pas le moment de mourir. Ah, notre gars très flippant. Super, bon, j'ai pas trop le temps de rester. Oui, ici il doit y avoir un ticket. C'était sûr qu'il allait y avoir un ticket ici là. Dommage qu'on puisse pas ouvrir le. C'est qui? Oh, il m'a fait trop peur. Oh, je m'attendais pas à le voir. Ok. Oh, salut. On est un des personnages de JoJo's. Mon avis, si je les touche, c'est mort. Oh là là, c'est flippant. Soir. Ah, vous êtes vraiment très joli, hein. Ah, vous êtes un peu flippant, par contre, là, je vous avoue. Ça va faire mal à la nuque de faire ça. De se tordre la tête comme ça, là. Ça doit pas être très agréable. Il y a un ticket ici ou c'est comment, là? Parce que moi, j'ai pas risqué ma vie ici. Ah, quand même. Voilà, quitte à risquer ma vie, autant quand même que je récupère un golden ticket. Allez, on va se barrer d'ici très rapidement. Je sens, je sais pas, que ma présence est un petit peu trop, tu vois. Ok, c'est bon. Non, c'est jamais bon dans le jeu, c'est jamais bon. Mais attends, mais c'est tout calme et des fois ils te font des screamers comme ça là. Oh, bref, j'arrive plus à parler. On continue. Et à ce rythme là, tu vois, on a 5 tickets quand même. Quasi la moitié. Donc on parle, on crie. Mais en attendant, on avance dans le jeu. Et ça, c'est tout bon. Là, il y a un ticket d'or. Ça te fait rire? Une version ratée d'un lapin crétin. Et t'es fait le malin? Ta tête là, allez, je me cache. Non, j'ai vu qu'il y a le gros bébé. Allez, je me cache, ok. Alors le bébé, on fait moi le malin maintenant, hein. Continue de fouiller la zone. Tu verras personne. À part des canards en plastique, c'est tout ce que tu verras. Bon, j'en profite pour espérer un petit peu. Pour l'instant, les amis, je vous avoue, ça va, c'est pas non plus trop galère. Ça fait flipper par moment, mais ça va. En vrai, ça va. C'est juste que le gros bébé, en fait, j'ai peur qu'il me chope et que si je me fais avoir et que je perds, que je recommence tout, en fait. Imaginez, je perds tous mes golden tickets. Si c'est ça, franchement, c'est grave chaud. Le truc, c'est qu'il fait plus de bruit. Maintenant, vous avez vu, dès en gros que je vois un ticket, il ne fait pas forcément de bruit. Il y a sûrement d'autres endroits à explorer, hein. Oh, là. Ici, là. Ah! Mais c'est vraiment un cirque de l'horreur. Je suis jamais venu ici. Ah, Enter, do you have you there? Ça veut dire quoi, ça? C'est un truc hanté. C'est stylé, ça rappelle les souvenirs d'enfants. Mais peut-être pas les bons. Elle me dit pas que le bébé, il peut venir ici, par contre. Si le bébé peut venir ici, par contre, c'est une singerie. Vraiment, non, c'est trop, ça. C'est sympa, ici, hein. Normalement, on est censé prendre un chariot, non? Moi, je le fais à pied, genre. En mode bonhomme, en bas les reins. Attends, j'ai pas eu de ticket, là, dans cet endroit? Possible. Mais il est là, le bébé. Mais oui, il est là, le bébé. Il est clairement là, le bébé. Moi, bon, il est bloqué, le bébé. Donc, tant mieux, on va le laisser là. On va laisser pourrir ici. Mais attends, j'ai bien envie de revoir parce que c'est pas normal que j'ai pas réussi à trouver de ticket ici. Mais trop bizarre, hein, qu'à l'intérieur, j'ai pas eu un seul ticket d'or. Là, il y en a un, par contre. Heureusement, il suffit que j'en parle pour qu'il y ait un petit ticket d'or ici. Magnifique. Ce qui fait qu'on a combien, madame, monsieur? Nous sommes actuellement à 8 sur 12, il en reste 4. Moi qui pensais jamais en trouver, bah, comme quoi, jamais dire jamais. C'est juste que la zone est très grande. Donc, il est fort possible que je fasse pas mal d'aller-retour. Oh, allez, un petit kit de soins. J'en ai 2 maintenant. Et du coup, à part le bébé qui peut me faire mal, j'ai pas de raison de l'utiliser pour l'instant. Il y a plein de trucs qui sont fermés, je peux pas. Oh, où ça? Là? Sur les. Mais où ça? Derrière? Ah là, dans le chariot, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, nice.
Combien il m'en reste du coup? Il m'en reste plus que 3. Allez, plus que 3 et c'est terminé. On devra retourner voir le frérot là. Les auto-tamponneuses. Regardez ici. Ouais, il y a du sang par contre. Tu vois, le jeu aurait été vraiment génial si tous les trucs là, tu vois, auraient été utilisables. Ça aurait été incroyable. Genre un truc d'épreuve. Tu fais des épreuves pour gagner des tickets d'or. Un peu comme Zunomaly où tu récupères des cartes en faisant des cassettes. Et ben là, ça aurait été génial de faire des épreuves, des mini-jeux d'un cirque pour gagner des tickets. Là, ça aurait été un banger. Ça aurait été un banger avec des streamers comme ça de temps en temps, tu vois. Mais ça aurait été exceptionnel. Oh là là là. Ok, il reste plus qu'un ticket. Plus qu'un ticket, mesdames, monsieur, pour pouvoir être délivré. Et le bébé, d'ailleurs, on en parle, il est plus là. Je sais pas ce qu'il fait, il a été dormir à mon avis après son biberon. Mais il y a plus de bébé pour l'instant. Et tant mieux d'ailleurs. Les amis, j'entends un truc. J'entends un truc. Ça fait 1000 ans que je cherche. Mais il y a le bébé tout près. Non, frérot, c'est vraiment pas le moment, frérot. C'est vraiment pas le moment. Je vais enfin trouver le dernier ticket que j'en peux plus là. Ça fait quasi 15 minutes, je crois, que je cherche. Me dis pas que le bébé, il est là à l'endroit là où je dois récupérer le ticket. C'est une blague, gros. Attends, attends, frère. J'ai même pas le temps de savoir où il était. Là, 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 il est là. C'est bon, je l'ai. Je vais les ramener au gars là. Vite, 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 qu'on ait un point de sauvegarde. Vite. Oui, c'est bon. Let's go. Est-ce que je vais avoir un point de sauvegarde ou pas? Je suis juste revenu au tout début là. Ok. Attends, c'est fini là? Ouais, le jeu est fini, ok. Ok, très bien. C'est bizarre, je m'attendais à avoir un peu plus de d'apparition de monstres ou quoi, à part le bébé qui poursuit, à moins que ça soit sous forme de chapitre. Même, je sais pas, le logo du jeu, il y avait une sorte de monstre dessus, et je crois que c'est l'un des monstres qu'on avait vu en cage. Écoutez, c'était sympa, mais le jeu aurait été 10 fois mieux, en vrai, qu'on soit honnête. Le jeu aurait été 10 fois mieux si la manière de récupérer les tickets d'or, ça aurait été de faire des jeux de cirque, de fêtes foraines, de ça à la sauce horreur. Ça aurait été grave mieux, mais bon, écoutez, le jeu était sympa. Voilà, pas le meilleur jeu qu'on ait pu faire, très clairement, mais le jeu était sympa. Voilà, c'est une expérience plutôt cool. Mais c'est vrai que un tel univers, ça a été vraiment bien d'avoir des trucs interactifs avec tous les jeux qu'on voyait. Genre, c'était frustrant de pas pouvoir balancer des trucs sur les canettes, de pas pouvoir tirer sur les cibles. Bref, ça a été grave cool. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai fini le jeu, c'était un peu compliqué vers la fin. Moins il te reste de cartes, plus c'est chaud, forcément, vu que le radar est pas non plus super efficace. Mais c'était sympa. En tout cas, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like, abonnez-vous, activez la cloche notif. Et on se retrouve de toute façon, dans tous les cas, très vite pour plein d'autres vidéos, plein d'autres aventures. C'est votre équipe comme d'hab, prenez soin de vous, ciao ciao.